autres êtres humains sommes des éponges émotionnelles. Cela signifie que nous sommes en permanence en proie à une contagion émotionnelle qui peut provenir de notre entourage, mais pas seulement. Si l'on prend en compte un périmètre plus large, qui va au-delà de la famille, du cercle d'amis et des relations professionnelles, on découvre que nous baignons dans une sorte de magma émotionnel diffus. C'est ce que l'on nomme le climat émotionnel. Celui-ci peut être énergisant ou énergivore selon le type d'émotion qui le compose. Le climat émotionnel se définit à l'échelle d'une entreprise, d'une communauté, d'une ville, d'un territoire, d'un pays. Il peut même se définir à l'échelle de la planète. Lors des attentats de Paris, en 2015, l'onde de choc émotionnel s'est répandue au-delà de Paris, au-delà de la France, au-delà de l'Europe. Le climat émotionnel mondial a ainsi été affecté par des émotions de peur, de chagrin, de crainte, de désolation et de vulnérabilité. Prendre conscience de ce magma émotionnel diffus va nous inciter à mieux analyser notre environnement. Ma boîte est-elle émotionnellement stimulante ou bien est-elle toxique? Mon pays est-il pourvoyeur de fierté et d'optimisme ou bien ne fournit-il que du pessimisme et de la résignation? Ici se pose également la question des réseaux sociaux. Quand nous passons une heure sur notre fil d'actualité Facebook, quelles émotions transitent de notre smartphone à notre cerveau limbique? Si les taux de pessimisme, de complainte et d'énervement sont trop hauts, que pouvons-nous faire pour mieux filtrer ce flot d'informations continuelles et potentiellement toxiques? Prendre conscience de ce climat émotionnel ambiant dans lequel nous baignons permet d'en réduire l'influence sur notre psychisme. La détoxification émotionnelle passe aussi par ces prises de conscience vertueuses qui nourrissent notre lucidité et nous aident à modifier nos modes de vie dans l'intérêt de notre bien-être.